C'est reparti pour les choses horribles. La première vidéo a quand même pas mal marché, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un autre podcast. Je vais commencer avec les putains de bouchons d'une célèbre marque d'eau en cristal. Ces bouchons que quand tu les ouvres, ils te font tout éclabousser sur toi. Une chose qui m'agace aussi, c'est les questions cons dans les jeux télévisés. Même un petit de 6 ans sait faire ça. Leurs questions, elles sont complètement cons, mais qui perd? Je suis sûr que 90% des personnes qui ont déjà joué à GTA V ont eu le même tour. Tu joues seul, tu as ce genre d'écran de chargement, t'as tes parents qui rentrent dans la pièce à côté, ils viennent te parler, tu as cet écran de chargement avec beaucoup de chirurgie, si tu vois ce que je veux dire. Je ne comprendrai jamais les gens qui critiquent la température. Oh mais il fait trop froid, oh mais il fait trop chaud. Ferme-la un peu, on attend la chaleur depuis 265 jours et toi tu critiques la température. Attention, les foules de dislikes rageux arrivent. Fortnite Battle Royale. C'est un jeu horrible. Toujours répétitif, top 1, top 1, top 1. Mais c'est pas pour ça que je critique. C'est pour la construction. Ce jeu est fake. Je sais pas vous, mais le chant des pigeons m'énerve. Je supporte pas ça, je déteste ça. Mais tais-toi! Je veux acheter un skin! Non! Je suis pas un pigeon! Ah là, t'as raison! C'est ça, connard! Encourage-moi! Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, tout ce que j'ai dit, y compris Fortnite, c'est de l'humour et non de la critique. Même s'il fait un peu montrer quand même que c'est vrai. Ce podcast, je l'avais fait pendant mes vacances. Donc c'est-à-dire, moi, les podcasts, j'écris tout, hein, pas comme mes FAQ, est-ce que j'improvise tout. Un podcast, tu peux pas improviser, ça se voit tout de suite. Donc rigolez pas, mais ça m'a pris quand même quelques heures à écrire tout ça. Je voulais pas en faire un trop long, parce que après les podcasts, c'est genre 5 minutes, un truc du genre, pas plus. Je veux pas en faire des longs, je sais, il est moins bien que le premier, ça c'est sûr. Mais à vrai dire, j'avais dit que je voulais faire un autre podcast pendant les vacances, et j'avais pas d'idée en fait. Je voulais faire la chose horrible 2, je l'avais annoncé bien avant, genre en juillet, le 31 juillet je crois. Je crois que j'ai dit le 31 juillet, mais j'ai pas pu, hein, parce que j'avais pas le temps du tout, du tout. Et du coup j'étais obligé de faire ça, et je pense que le prochain podcast... Déjà, je pense faire un autre thème, ce sera déjà peut-être beaucoup plus drôle. Je pense pas qu'il y aura un troisième chose horrible. Ça dépend si celui-là il marche. Hein. S'il ne marche pas, ça veut dire que vous voulez quelque chose d'autre. Si j'ai d'autres idées, peut-être que j'en ferai encore, je ne sais pas, on verra plus tard. Et ouais, après, je ne veux pas en faire 36 parce que tu regardes une fois, deux fois, c'est bon, peut-être une troisième fois quand j'aurai plein d'idées, mais après, non, je pense pas en faire d'autres. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Je me suis fait mal.